Christophe Sautier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Objectif Libre. Tout à fait. Alors, c'est quoi vos missions? Racontez-nous tout. Alors, Objectif Libre, c'est une société de services en logiciel libre, comme il en existe beaucoup, mais qui se démarque de ses concurrents, entre guillemets, par un accent très très fort sur l'infrastructure et uniquement l'infrastructure serveur, en utilisant certaines technologies innovantes. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui d'OpenStack, qui est un des grands mots à la mode. Absolument. Mais qui dit OpenStack dit souvent aussi énormément d'outils d'automatisation, oui, de virtualisation, et sur lesquels on a de très fortes expertises, que l'on fait soit dans le cadre de notre activité OpenStack, soit en dehors. D'accord. Voilà. Et justement, par rapport à ça, vous m'avez dit que vous faites partie des 20 mondiaux qui testent... Voilà. Alors, c'est ça. On a pour habitude de beaucoup contribuer sur les projets dans lesquels on intègre, que les projets que l'on intègre pour nos clients. OpenStack ne déroge pas à cette règle-là. Et notamment sur OpenStack, on est très régulièrement dans le top 20 des contributeurs mondiaux à OpenStack. Donc on a un vrai savoir-faire que l'on peut d'autant plus valoriser dans les intégrations que l'on fait pour nos clients. Bravo. C'est qui vos clients? Alors c'est très varié. Tous les secteurs d'activité? Ah oui, on est tous secteurs d'activité. Ça va du grand compte, d'un ministère à des banques, à vraiment des grands comptes, oui, à des petites PME. D'accord. Qui veulent se servir d'OpenStack comme, alors pas avec les mêmes problématiques d'élasticité, mais beaucoup plus une sorte de virtualisation sur mesure. D'accord, ok. Voilà, donc c'est très varié. Parfait. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Vous faites partie aussi du groupe GPLL? Tout à fait, on est dans le GTLL, absolument. Alors nous, en fait, à la base, on est une société toulousaine. C'est vrai. On est une société toulousaine et on a ouvert des bureaux à Paris il y a maintenant plusieurs mois. Et donc, ça nous a donné l'occasion de rejoindre le GTLL et on est vraiment ravis de cette rencontre. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être un réseau de partenariats, d'échanges. Il y a vraiment un vrai bouillonnement. En plus, puissant. Un network qui est puissant, des appels à projets communs. On vient de proposer avec d'autres partenaires un projet dans lequel on pourra mettre en avant nos expertises. Et puis, il faut dire que le GTLL est vraiment une organisation, on va dire, très, très active avec son animatrice qui est parfaite. Il faut dire ce qui est, et qui vraiment nous anime tout ça d'une main experte. Bon, bah écoutez, bonne continuation en tout cas dans vos projets. Plein de bonnes choses. Et puis, bon salon, bonne fin de salon. Merci, au revoir. Merci, Christophe.